Salut tout le monde, c'est Rico815 et donc aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai l'idée de vous faire une deuxième vidéo sur le jeu QuizUp. Donc je vous invite à aller voir la première vidéo que je vous ai faite sur ce jeu, c'était celle que je vous ai sortie la semaine dernière sur le thème du freestyle football, voilà. Je vous avais fait ce thème puisque c'est vraiment un truc que j'aimais, le freestyle football, donc voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau thème sur ce jeu. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi QuizUp, c'est tout simplement un jeu qui pose des questions et on doit répondre à un maximum de questions avec les bonnes réponses, voilà. Et aujourd'hui, un nouveau thème, j'ai décidé de prendre Pokémon, voilà, car j'aime beaucoup Pokémon. J'ai décidé de vous faire cette deuxième vidéo sur ce thème et je vais vous montrer les deux thèmes que je vais vous faire aujourd'hui. Donc voici ce thème, c'est trouver le Pokémon. Voilà, je mets ma tête vers le bas. Trouver le Pokémon, donc ils vont nous montrer des Pokémon, des images de Pokémon, et il faudra que je trouve le bon en cliquant sur la bonne réponse, voilà. Et je vais vous faire un deuxième mode Pokémon, donc attendez, je vais aller dans thème, voilà. Et le deuxième thème que je vais vous faire, ça sera sur Pokémon Go. Voilà. Donc ils vont me poser des questions sur Pokémon Go. Il faudra que je trouve les bonnes réponses. Donc je vous propose qu'on commence par Pokémon Go car je ne suis pas très très fort. Je ne joue pas beaucoup, pas très souvent à ce mode. Donc on va jouer. Alors, je vais jouer en mode adversaire. Je vais affronter des adversaires du monde. Je baisse un peu le volume. Alors. Est-ce qu'il y a des joueurs? Oui. Alors, j'en prends 2 de France. Ok. Moi, je suis niveau 9. Alors, c'est parti. Première question. Combien de bonbons de Pokémon Go sont nécessaires pour faire évoluer Magikarp? C'est 400 bonbons. C'est beaucoup 400 bonbons pour un Magikarp, moi, je trouve. Deuxième question. Quelle icône est utilisée pour le logo potion? Ouh là là. Un pulvérisateur, oui, c'est une espèce de... C'est un truc comme ça, oui. Quelle est la terminologie utilisée pour parler d'une arène qui n'a pas été conquise? Une arène libre. Voilà, j'ai vu juste. J'étais pas sûr, mais j'ai vu juste. Alors, quel est le nom donné au bonus journalier obtenu par un joueur en défendant une arène? Point d'expérience. Oh non, c'est quoi? Le bonus défensif. Ah ouais, ça par contre, je savais pas du tout. Ah là là. Combien de bonbons faut-il pour un Rookool? Il en faut... Pour un Rookool, c'est 12. Yes. Ah là, j'étais pratiquement sûr que c'était 12. Numéro 6, la question. Combien de points d'expérience un joueur reçoit-il pour avoir visité un Pokéstop et en... je sais pas, c'est 100. Yes. Ah yes. Alors... Quelle image est utilisée pour l'icône du sac amélioré de Pokémon Go? Un sac à... Non! C'est un sac à dos, mais je suis trop bête. Je suis trop bête. J'ai perdu, voilà. Je ne suis pas très fort au thème Pokémon Go. Je vous propose une petite revanche, voilà, pour essayer de me rattraper. Bon, l'adversaire, il a quitté la partie, c'est pas grave. On va chercher d'autres adversaires, c'est pas grave, ça. Ils me font chier avec les pubs. On va chercher un deuxième adversaire. En espérant qu'il y en ait un. Oui. Alors, niveau 1, Guenièvre. Ouais, je sais pas, j'ai pas bien vu. Bref. Alors, première question. Combien de poussières d'étoiles recevez-vous lorsque vous capturez un Pokémon? Oh, je sais pas du tout. Je sais pas. Je sais pas, j'irai 300. Non, je sais pas, je savais pas. Ça, je sais pas du tout par contre. Alors, deuxième question. Durant quel mois de 2016 Pokémon Go a-t-il été lancé? Oh, je peux pas savoir. Oh non, je sais pas. Juillet, ah ben oui, mais je peux pas savoir. Alors, quelle terminologie décrit les points qui détermine la façon dont le progrès du jeu est quantifié? Les points d'expérience, oui, c'est ça. Je vous invite aussi à aller voir mes vidéos que j'ai fait sur Pokémon Go. J'ai fait quelques petites chasses, voilà. À partir de quel niveau pouvez-vous accéder aux hyper potions? Je suis pas sûr, je pense que c'est niveau 15. Yes. Ouais, parce que je suis niveau 15 sur Pokémon Go. Je viens de passer niveau 15 il y a pas longtemps.
et j'ai eu des hyper potions, je m'en rappelle. Au lancement de Pokémon Go, à quelle région du monde Kangourex était-il exclusif? Je ne sais pas, j'ai pas eu Kangourex. Je dirais l'Asie, je sais pas, moi. Qu'est-ce que j'en sais? L'Océanie, ouais, bref. Ouais, comment tu veux que je sache, moi? Combien de bonbons faut-il pour verrouiller Piafabec? Ça, je sais qu'il en faut 20. Non! Ah non, il en faut 50. Mais non, mais n'importe quoi. C'est la dernière question. Qu'est-ce que Mario Rewards et Expedia ont offert au premier Américain à avoir capturé tous les Pokémon? Je sais pas. Je sais pas. Un voyage? Ouais, ok. Vous savez quoi? J'abandonne Pokémon Go, voilà. Je ne suis pas fort sur ce thème, vraiment pas fort du tout. Je vous propose qu'on fasse un deuxième thème sur Pokémon. Il faut trouver le Pokémon par rapport à l'image qu'ils vont nous montrer. C'est parti, j'espère que ça va vous plaire. On est déjà à 6 minutes de vidéo, tout pile. Et c'est parti pour le deuxième thème. Par contre, le thème là, je suis fort, je suis niveau 24, j'affronte un niveau 3. Je le bats normalement, c'est sûr, certain. Alors, premier Pokémon, ça c'est Aqualie. Très beau Pokémon Aqualie, j'ai rien à dire. C'est mon évolution préférée de toutes celles de Evoli. Donc Voltali, Aqualie, Noctali et tout ça. Bon bref. Tortipousse, je les connais tous pratiquement les Pokémon, donc c'est pour ça que je suis à un niveau élevé. Alors, Vipélière. Yes. Ah, il est nul. Bon, pour l'instant, je gagne. Alors là, ça, c'est Pérégrin, si je me trompe pas. Attendez. Oui, c'est ça. Je gagne cette manche pour l'instant, 76 à 40 points. Alors ça, c'est Lopin. L'évolution de Laporeille. Très, très beau, Lopin. C'est un très beau Pokémon. Moi, je l'aime bien, franchement. Alors, question numéro 6 et avant-dernière question. Lui, c'est un solo. Oui, c'est ça. 113 points, G. Et lui, il en a 76. Lui, c'est Aquaquack pour le dernier Pokémon. Bon, bah, j'ai gagné ce premier challenge. Ben, cette première partie du deuxième thème. Je propose qu'on fasse une deuxième partie pour que la vidéo dure un peu plus longtemps. Voilà. Autre adversaire, c'est parti. Font chier avec les pubs, hein, vraiment. Hein. Alors. J'affronte un niveau 6. C'est un tout petit peu plus fort que tout à l'heure, mais je vais le battre, je pense, clairement. Pokémon numéro 1. Il s'agit de Kangourex. Magnifique Pokémon avec le tout petit bébé qu'il y a dans la poche. C'est mignon, moi j'aime bien. Deuxième Pokémon, c'est Flagados. Avec le petit, l'espèce de petit monstre qui lui mord la queue par derrière. Troisième Pokémon, c'est Démolos. Très beau Pokémon, je l'adore. Boguerys, non. Déméteros, oui, c'est l'évolution de de Boreas, il me semble. Prochain Pokémon, c'est Nidoran Feu. Non, c'est Nidorina, c'est l'évolution de Nidoran Femelle. Pokémon numéro 6, il s'agit de Brésillon. Pour l'instant, je fais un sans faute. J'ai pas loupé un seul Pokémon. Dernier Pokémon, c'est Motisma, Pokémon électrique, magnifique. Et ben, j'ai fait un sans faute, j'ai eu tout juste. Je vous ai dit que j'étais fort sur ce mode-là, trouver le Pokémon. Donc voilà les gens, je vous ai montré deux thèmes Pokémon, donc c'est sur Pokémon Go et c'est aussi sur trouver le Pokémon. Donc j'espère que cette vidéo sur QuizUp vous aura plu, voilà. Si c'est le cas, mettez un max de likes comme d'habitude. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce deuxième quiz, voilà, sur le jeu QuizUp. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine pour un troisième quiz-up, ça sera sur le thème Dragon Ball Z. Je vous montre ça tout de suite. Je vous ferai le mode Dragon Ball où il faudra trouver les réponses à des questions. Et on fera pareil avec le Pokémon, il faudra trouver les personnages de Dragon Ball Z. Voilà. Donc moi je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Et bye. Allez, ciao.